plus 6. J'ai besoin de deux mains, mais je tiens la caméra. J'espère que vous avez passé une belle journée jusqu'à date. Il est, je sais pas si vous pouvez voir, presque 6 heures le soir. J'avais des grandes aspirations pour le vlog aujourd'hui. Je voulais vous amener avec moi le matin et tout ça. La technologie n'a vraiment pas été de mon côté. Alors, désolée. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on va pouvoir se reprendre pour la partie 2 de cette épopée fantastique. Donc voilà. Vous entendez peut-être le grésillement en arrière. C'est mon souper qui est en train de cuire. Et là, peut-être que vous voyez en arrière-plan, juste ici, un délice. C'est en fait Michel qui a fait un pain aux bananes au chocolat aujourd'hui. Donc non seulement il a été faire l'épicerie, il est venu dîner avec moi aussi, mais il a fait un pain aux bananes. Je dois vous dire que je commence à apprécier que Michel soit à la maison. Donc on va pouvoir se délecter de cette fameuse recette. La seule chose, c'est qu'il a oublié de mettre les petites pépites de chocolat. Habituellement, c'est double chocolat, donc aujourd'hui, on devra se contenter de simple chocolat. Mais je ne t'en veux pas, Michel. J'apprécie que tu aies fait de la pâtisserie pour moi. Donc demain matin, je vais vraiment avoir un déjeuner de luxe. Pour compenser pour mon manque de déjeuner ce matin, j'avais oublié mon yogourt à la maison. J'achète des gros pots de yogourt, là, au lieu d'avoir des petites coupes, c'est plus écologique. J'avais complètement oublié qu'il ne m'en restait plus au bureau. Donc j'ai mangé du gruau de mon amie Hélène qui m'a rescapé. Fait qu'avant que mon souper brûle, je vais aller faire ça. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Ouf! Le souper est mangé, le bain est donné et là, c'est le temps de m'asseoir pour vous parler. Aujourd'hui, ben là, je suis contente de dire que 2016 est vraiment derrière nous en termes de souvenirs Villeraigne. On est vraiment de retour en 2017. Et le moment le plus marquant de janvier, ça a été l'entrée progressive de Victor à la garderie. Ce qui signifiait aussi la fin de mon congé maternité, vous l'aurez compris. Et Michel et moi, ben, étant donné que c'était une entrée progressive, on s'est dit pourquoi qu'on se ferait pas un après-midi de plaisir et se booker plein d'activités pour pouvoir en profiter au maximum parce qu'on n'a presque jamais de temps, juste les deux ensemble. Parce qu'on a toujours Victor avec nous, on n'a pas vraiment de gens qui peuvent s'en occuper. À part Guillaume des fois, merci Guillaume. Mais c'est ça, fait qu'on a décidé de se faire un après-midi de plaisir qu'on a appelé le Michelle and Julie Day of Fun. C'était vraiment excitant, là. On a eu un programme merveilleux. Premièrement, on a été dîner au Logos Corner. C'est un petit bijou de restaurant, je crois que c'est, j'ai le goût de dire, tibétain. Je pense que c'est tibétain. C'est dans Parkdale, dans un quartier plutôt défavorisé de Toronto, plus dans l'ouest, sur la rue Queen Street. C'est pas très loin du Glory Hole Donuts, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cet endroit-là. Mais ce qui est particulier, chez Logos Corner, cuisine tibétaine, on a les soupes aux nouilles et on a les fameux momos, qui sont une espèce de mix entre, comment je pourrais décrire ça? Un mix entre des pierogies, puis des dumplings. C'est vraiment très fusion, très le fun, et j'adore ça, Michel adore ça, tellement qu'on est retourné et même Victor était venu avec nous puis il avait adoré les momos. Donc si vous êtes à Toronto et que vous passez dans ce coin-là, sincèrement, là, je pense que sur Google, c'est comme 5 étoiles sur 5, c'est vraiment très très bon, c'est un petit bijou de place. Seule chose que je vous dirais, c'est que c'est une famille qui tient ce restaurant-là, et comment je pourrais expliquer ça? Le décor est un peu défraîchi. Quand tu rentres, ça a l'air vraiment cheapette, ça n'a pas l'air de grand-chose, là. Mettez-vous pas des attentes très élevées, fait que c'est ça. Mais la bouffe, numéro 1, vraiment très très bon, puis les prix sont super bons aussi. Après avoir été manger au Logos Corner, on s'est dit qu'on pourrait continuer le plaisir en allant au Nathan Phillips Square patiner. Donc, à Montréal, je sais qu'il y a plusieurs anneaux de glace là, pendant le temps des fêtes. Eh bien, à Toronto, c'est la place du Nathan Phillips Square qui est juste en bas de l'hôtel de ville où on peut aller patiner. Le patinage est gratuit, mais moi, comme j'ai pas de patins, j'ai dû louer les patins. Donc, on a fait un petit peu de patin dans le centre-ville de Toronto avec les lettres Toronto. C'était tout simplement magnifique et le comble de tout cela, c'est qu'il y avait de la neige. Il neigeait quand on était en train de patiner, fait que ça rajoutait vraiment une touche de romantisme incroyable. Ensuite, ben, fallait se réchauffer, fait qu'on a décidé d'aller prendre un petit thé chez Fika, Fika Café, qui est un café d'inspiration suédoise où ils servent tout leur breuvage dans des tasses creusées. J'apprécie vraiment la touche. Et qui dit ambiance suédoise, dit décor avec de la fourrure, du bois, très organique, les grosses doudous. C'est vraiment, vraiment mignon comme endroit. C'est dans Kensington Market, un endroit que je recommande à 100% à Toronto. Donc, on a eu vraiment un beau moment chez Fika.
La seule chose qui a comme un peu mal terminé notre Michel and Julie Day of Fun, c'est que la garderie nous a appelé pour nous dire que Victor faisait beaucoup de fièvre, qu'il était malade, donc on a dû retourner à la garderie un petit peu plus tôt que prévu pour aller le chercher. Et ça, ça ne fait que commencer la fameuse saga de la garderie et de ses microbes. On est un petit peu découragés. Pour ce qui est de la question du jour, beaucoup de gens m'ont posé des questions sur la garderie de Victor. On vient de parler de son retour à la garderie, alors je vais aborder la question. J'ai plusieurs questions, mais je vais choisir celle de Marie-Ève Tanguay aujourd'hui qui me dit « Comment va la vie de Victor à la garderie? Il est dans quel type d'installation? Familiale, privée ou CPE? Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle à Toronto. Bref, Victor est dans une installation qui s'apparente à une CPE. Ça s'appelle un Early Learning Child Center. Donc, c'est un centre où ils vont favoriser les apprentissages. Donc, c'est ça. C'est la ville qui gère ce type d'institution-là. Victor, il va à temps plein. Je pense que j'ai déjà mentionné les prix dans d'autres vidéos, mais quand il était infant, donc 18 mois et moins, ça coûtait 106,90 $ par jour. Et maintenant, je pense que ça l'a diminué, étant donné qu'il est rendu dans la classe des toddlers de 18 à 30 mois. Je pense que j'économise, là, je suis rendue à 96,70 $. Donc, un beau là, 10 $ par jour que j'économise. Mais sans blague, on n'a comme pas vraiment le choix de l'envoyer dans une installation comme ça parce qu'au centre-ville, il n'y a pas beaucoup de garderies en milieu familial et celles qui le sont ne sont pas régies par la ville. Donc, on a préféré envoyer Victor dans cette installation-là. Victor va à la garderie en anglais. Les gardiennes, les éducatrices, souvent parlent plus d'une langue, mais la langue qui est parlée en majorité, c'est l'anglais. Donc, Victor parle en anglais à la garderie et parle en français avec nous à la maison. C'est comme ça que ça se passe. C'est sûr qu'il y a certains mots qu'il va dire en anglais, comme par exemple « shoes » pour « souliers ». Avec nous, des fois, on va dire « shoe » aussi, juste pour la clarification, là, être sûr qu'on se comprend bien. Mais on essaye de toujours lui montrer le mot en français pour qu'il l'utilise. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et pour ce qui est de Victor, comment que ça se passe à la garderie, c'est un ange à la garderie. Toutes les éducatrices se l'arrachent. Ils l'aiment toutes vraiment beaucoup. Je dirais qu'à la maison aussi, il est quand même chill, là. Mais oui, à la garderie, ça se passe super bien. Puis il aime ça y aller. Puis on voit qu'il y a vraiment du plaisir. Puis il s'est fait des amis aussi. Fait que on est bien contents. Ça se passe vraiment, vraiment bien. On peut pas demander mieux. Fait que Marie-Ève, étant donné que j'ai répondu à ta question, j'aurais une petite surprise pour toi. Fait que si tu veux juste me contacter sur n'importe quelle plateforme de ton choix, j'ai besoin de te parler. Viens-tu me voir? Et toi? Tu sais que je parle de toi, hein? Oh! Fait que sur ce, c'est toi, mon grand! Fait que sur ça, moi pis Victor, on va vous souhaiter une bonne nuit parce que c'est le temps d'aller faire dodo! Dodo! On va boire le lait puis ensuite on va se coucher. On se retrouve demain pour le Vlogmas numéro 7. Et là, j'espère vraiment que la technologie va être de mon bord. Envoyez-moi des bonnes ondes. Bye bye, passez une bonne soirée. À la prochaine.